بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون وقال النبي صلى الله عليه وسلم أفلا أكون عبدا شكورا ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم جزى الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم بما وأهله ربي ارحمهما كما ربياني صغيرا Toutes les louanges appartiennent à Allah subhanahu wa ta'ala, le tout clément, le tout miséricordieux, celui qui nous a accordé iman, le kalima la ilaha illallah, cette attestation de foi, celui qui nous a fait naître dans la meilleure des communautés, la communauté de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. En ce jour de Jumu'ah, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nous a exhorté, nous a encouragé d'envoyer en abondance les salutations sur lui. فَأَكْثِرُوا عَلَيَّ صَلَاةً يَوْمَ الْجُمْعَةِ فَإِنَّهُ يَوْمٌ مَشْهُودٌ يَشْهَدُهُ أَوْ تَشْهَدُهُ الْمَلَائِكَةُ Envoyez en abondance sur moi les salutations le vendredi, car c'est un jour où les anges assistent en grande quantité, descendent en grande quantité à cause de ce jour béni qui est le vendredi, le Jum'a. Parmi les sunnah, parmi les actes que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nous a montré aussi le jour de Jumu'ah, de prendre un bain comme s'il était obligatoire sur nous, de venir tôt à la masjid, de se rendre à pied, de s'asseoir où le imam il est, proche de l'imam, d'écouter attentivement la khutbah. Pour chaque pas qu'il aura fait, le croyant aura la récompense d'une année de salat de tahajjud et d'une année de jeûne prérogatoire. Donc c'est vraiment une miséricorde de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala de pouvoir bénéficier de tout cela en toute sécurité et en toute bonne santé. Ce sont des faveurs qu'Allah subhanahu wa ta'ala accorde à qui il veut. Donc on doit saisir ces occasions, toutes ces opportunités, tous ces bienfaits qu'Allah subhanahu wa ta'ala il nous a donnés. Il est nécessaire de comprendre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il ne veut que du bien pour nous. Il ne veut que du bien pour nous. Et l'enseignement de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il est là pour nous guider, pour nous éclairer et pour nous faire réussir dans ce monde et dans l'autre monde. Il n'y a aucun doute. On doit avoir cette ferme conviction que c'est uniquement dans l'enseignement de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qu'il y a la réussite totale. Il y a trois mots qu'on doit bien comprendre, qu'on doit arriver à saisir et garder à l'esprit pour justement vivre dans n'importe quelle situation, quel que soit le contexte dans lequel on se trouve. Le croyant, il doit garder à l'esprit trois mots. Premier mot, c'est la compréhension. Deuxième mot, la conscience. Et troisième mot, la prudence. Compréhension, conscience, prudence. Avoir le sens de son existence, donner un sens à son existence, passe par la compréhension. La compréhension de quoi? La compréhension du pourquoi de la création. Pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala il nous a créés? Quel est le but de notre création? Comprendre, pas seulement connaître, mais comprendre quel est l'objectif et le but pour lequel Allah subhanahu wa ta'ala il nous a créés permet de donner un sens à notre existence. Sinon, notre existence n'a aucun sens viable et authentique et accepté par Allah subhanahu wa ta'ala si on n'a pas compris le pourquoi de notre existence, le pourquoi de notre création. Pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala nous a créés? C'est très important. Cela va nous permettre
quelles que soient les situations dans lesquelles on se trouve, que je sois un commerçant, un entrepreneur, un étudiant, un professeur, un businessman, que je sois sur un chantier, que je sois à la maison, que je travaille dans un bureau, que je sois dans telle ville ou telle autre ville. Comprendre le pourquoi de notre existence va nous permettre de donner un sens à notre existence et cela, Wallah, va nous guider tout au long de notre vie, quelles que soient les situations. Qu'est-ce que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam il a dit ? Afala akunu abdan shakura. Ne serais-je point un serviteur reconnaissant d'Allah subhanahu wa ta'ala ? Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nous montre à travers ses actes d'adoration que la servitude, être un serviteur d'Allah, être dans la soumission d'Allah me permet de donner une existence, un sens à mon existence parce que je sais pourquoi je vis. La notion de la soumission dans chaque situation me permet de connaître le pourquoi de l'existence, tout simplement. C'est très important. Pourquoi je vis ? Quel est le sens, quel est l'objectif pour lequel Allah subhanahu wa ta'ala il m'a créé ? Si on n'a pas compris cela, notre vie va tourner autour d'un sens qui n'a pas lieu d'être, un sens qui n'est pas compréhensible, un sens qui n'amène pas la tranquillité, qui n'amène pas la sérénité et qui n'amène pas tout simplement le côté paisible de notre vie. Prenons un exemple. Combien de personnes aujourd'hui essaient de trouver un sens à leur existence à travers les choses matérielles ? Donner un sens à travers le matériel n'est pas viable. Parce que le matériel, par définition, il est fluctuant, il est variable, il n'est pas stable. Et le matériel, Allah subhanahu wa ta'ala l'a qualifié de matar. Matar, c'est un résidu, c'est quelque chose qui est juste là pour être non pas une finalité, mais un moyen de vivre, temporaire. D'autres vont trouver un sens de leur vie dans la fête, dans les fêtes. Toute la semaine, on travaille et arrivé le week-end, on claque facilement tout notre argent. Trouver un sens, donner un sens à ce que cette vie, qu'est-ce qu'elle m'apporte ? Je cherche ce bonheur. D'autres vont trouver un sens à leur objectif de vie, comment ? Dans les drogues, en fumant. C'est pour donner un sens. Donc lorsqu'on n'a pas compris, lorsque cette compréhension du pourquoi de notre existence n'est pas là, mais la vie n'a pas de sens. Et le sens qu'on donne à notre vie, c'est selon notre définition. Alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a donné le sens et le but de notre objectif à travers la vie de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam et à travers maintes versets. Et c'est cette mauvaise compréhension du pourquoi de l'existence qui fait qu'aujourd'hui, on est dans un système qui nous propose des semblants de tranquillité, mais qui ne sont pas elle-même la tranquillité. Trouver le bonheur en fumant, trouver le bonheur en buvant, ce qui n'est pas bien, trouver le bonheur en faisant ce que moi je pense être le bonheur à travers les moyens qui sont illicites, cela découle d'une mauvaise compréhension de notre existence. Alors que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il a montré à travers sa vie, les sahaba radiallahu anhum, quel était l'objectif de leur existence. Alors que ces hommes-là étaient des businessmen, ces hommes-là travaillaient, ces hommes-là avaient une famille,
Mais ces hommes savaient pourquoi ils ont été créés. Quel est l'objectif? Cette compréhension du pourquoi, de l'objectif de l'existence, imprégnait chaque sahabi radiallahu anhu. Il connaissait pourquoi il vivait. Tôt ou tard, je dois me présenter devant Allah subhanahu wa ta'ala. Tôt ou tard, je dois rendre compte auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour cela que lorsqu'il y a, il y a eu à travers leur vie des erreurs ou des malentendus, ils se sont tournés toujours vers Allah subhanahu wa ta'ala, demander pardon et reconnaître que ce que j'ai fait, ce n'est pas bien. Ça, c'était les compagnons, radiallahu anhum. Admettre que ce que j'ai fait, c'est une erreur. Parce qu'ils savaient le pourquoi de leur existence. Et cela donnait un sens à chaque geste. Lorsqu'on a ce premier mot, la compréhension, on passe au deuxième mot, la conscience. La conscience qu'Allah subhanahu wa ta'ala, et c'est ça, qui, aujourd'hui, la maîtrise de cette conscience doit nous habiter chaque instant. On perd le fil sinon. Qu'est-ce qui est en vogue? La corruption, les drogues, l'alcool, tous les moyens illicites. Pour, et qu'est-ce qu'on voit dans les journaux? Celui-là a tué l'autre. Celui-là a fait ceci. La corruption, elle est devenue banale. Mais pourquoi tout cela? Parce qu'il n'y a plus cette conscience que tôt ou tard, je dois me présenter devant Allah subhanahu wa ta'ala. Le vol n'est plus considéré comme un vol. La tricherie n'est plus considérée comme une tricherie. Fumer de l'herbe n'est plus considéré comme quelque chose qui est interdit. Fumer de l'herbe, c'est permis. Faire tout ce qu'on a envie de faire, c'est permis. Pourquoi il n'y a pas cette conscience? Il n'y a pas cette conscience que chaque... On a des voisins. Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, faites preuve de bienveillance envers vos voisins, même si vous êtes dans le désert. Ça c'est en parenthèse, ça c'est nous qui l'ajoutons. Faites preuve de bienveillance envers vos voisins, même si vous êtes dans le désert. Ibn Abi Jamra, rahimahumullah, le commentateur de Al-Bukhari, il dit, les anges. Nos premiers voisins sont les anges. Nos premiers voisins sont les anges. Et ils nous accompagnent à chaque instant. Ils écrivent, ils notent. On a manqué une promesse, on a triché, on a volé, on a trahi la confiance d'une personne, on a été dans une affaire de magouille. Tout cela est répertorié. Rien n'est oublié. Auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, rien n'est oublié. Il y a cette justice. Dans les ténèbres de la nuit, j'ai signé quelque chose qu'il ne fallait pas signer en lésant mon ami, en lésant mon camarade. Je lui ai donné parole, mais je lui ai menti. Pas un coup de fil, rien. Tout cela, auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est noté. J'ai fait ce qu'il ne fallait pas, parce qu'il y a ce manque de conscience envers Allah subhanahu wa ta'ala, que tôt ou tard, je dois me présenter devant Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsqu'on a cette compréhension, découle automatiquement cette conscience de Allah subhanahu wa ta'ala, il m'entend. Allah subhanahu wa ta'ala, il me voit. Je ne peux rien faire qui puisse tromper, ni tromper. Aujourd'hui, Allahu Akbar, nous vivons dans une époque où le mal, il est devenu tellement facile et où le mal, il est considéré comme un bien. Mais c'est tout le système de Dajjal. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, tout en sachant que Dajjal, il ne va pas venir à l'époque des sahaba radiallahu anhum, mais il a dit aux compagnons radiallahu anhum de rechercher la protection contre Dajjal, c'est-à-dire contre le système de Dajjal. Et ce système-là, il est tellement, tellement fin. Il est pire qu'une dictature. Dans une dictature, on impose. Mais dans son système, on te fait comprendre que c'est bien pour toi. Regarde, goûte. L'homme n'est plus patient. Goûte, il veut tout goûter maintenant. Il ne pense pas aux conséquences. Mais cette mauvaise conscience ou cette absence de conscience fait que pour un jeune, fumer de l'herbe, pour un jeune, se réunir, pour un jeune, boire un coup, pour
Un jeune, faire ce qu'il a envie de faire, c'est facile. C'est comme si j'étais immortel. On a oublié. Wallah, on a oublié. Et aujourd'hui, le mal, il est devenu facile. Combien de couples se brisent? Une relation adultérine, c'est devenu facile. Tromper son épouse, c'est devenu facile. Tromper son mari, c'est devenu facile. C'est l'ère du temps. Tout est devenu facile. Le mal, dans le mal, tu n'as pas besoin de faire l'effort. Tout vient vers toi. Shaitan t'amène tout sur un plateau. Et tout le monde, Allah, aujourd'hui, demander le divorce, c'est facile, c'est un coup de tête. Aujourd'hui, tromper dans le commerce, c'est facile. Pour un jeune, c'est facile de faire ce qu'il a envie de faire. Pour un jeune, de frapper son père, c'est normal. D'injurier sa maman, c'est normal. Voilà où cette mauvaise compréhension de l'objectif de notre existence a débouché sur une absence de conscience qui fait que nos gestes ne sont plus contrôlés par soi-même. Nous sommes plus libres. Dans l'ère de la technologie, tout est invisible. Les chaînes sont invisibles. Nous sommes des esclaves. Nous sommes enchaînés, mais nous ne voyons pas nos chaînes. On a oublié tout cela. Dites à un jeune de ne pas fumer l'herbe. Il veut vous frapper. Même si c'est dit gentiment. Dites à un jeune de ne pas boire. Vous allez voir sa réaction. Même si vous lui faites salam, vous lui dites que de bonnes choses. Mais Shaitan, il a cadenassé, il a fermé ce cœur. Et lorsque cette absence de conscience pénètre et atteint le cœur, il n'y a plus cette prudence. Il n'y a que de l'imprudence. Chaque geste maintenant est fait comme bon le semble. Chaque geste. Les sahabi radiallahu anhum, c'était des êtres humains comme nous. Mais lorsqu'ils commettaient une erreur, ils ne cherchaient pas d'excuses. Non, mais l'autre. C'est pas moi, c'est l'autre. Ils ne cherchaient pas d'excuses. Oui, ils étaient prudents dans leur façon de parler, dans leur communication, dans leur jugement. Dans chaque chose, les sahabi radiallahu anhum étaient prudents parce qu'ils avaient cette conscience. Allah subhanahu wa ta'ala connaît ce qu'il y a à l'intérieur. Et cette conscience, bonne conscience, débouche sur une bonne compréhension du pourquoi de mon existence. On a oublié tout ça. On a oublié tout ça. Wallahu akbar. Et plus que l'époque va avancer, la suivante est la pire que la précédente. C'est ce que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a dit. Abdullah ibn Mas'ud radiallahu anhu dit que plus que l'époque va avancer, La science va se perdre. Alors que si nous regardons aujourd'hui à travers Internet, combien de livres sont traduits, ce n'est pas la science qui va se perdre, c'est la pratique sur la science. On connaît beaucoup de choses. Qu'est-ce qu'on ne lit pas sur Internet? On connaît beaucoup de choses. Combien de bayans on écoute? Combien de discours on écoute? Combien de lectures on fait? Mais il nous manque quelque chose. La conviction sur l'au-delà. La conviction sur les paroles de Rasulullah. La conviction sur les versets du Coran. Notre conviction s'est déplacée. On ne dit pas qu'on n'a pas de conviction, mais elle s'est déplacée. On a plus de conviction sur les rumeurs et sur les potins que sur les hadiths de Rasulullah. C'est le monde de la désinformation. Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve. Allah subhanahu wa ta'ala préserve nos enfants. Wallah, préserve nos enfants aujourd'hui sur un coup de tête. Je quitte l'islam parce que c'est trop dur. On n'a pas. Parce qu'on vit dans un monde qui permet tout. Et l'islam vient réguler tout ça. Il n'y a plus aucun système. Aucun système, écoutons bien, je termine sur cette phrase. Il n'y a aucun système au monde qui peut maîtriser l'ego de l'homme si ce n'est que l'islam. Si ce n'est que l'islam. Le monde diplomatique. La violence de la mondialisation, Jean Baudrillard. Il dit le seul système qui apporte la liberté à l'homme, qui apporte la maîtrise à l'homme, c'est l'islam. Et aujourd'hui, tout le monde se rabat contre l'islam parce que justement, c'est le seul système qui permet à l'homme de voir clair. Et nous, on ne veut pas qu'il voit clair. Nous, on veut l'étouffer dans un système où on pense que c'est beau. Mais lorsqu'on se réveille dans la tombe, c'est obscur.
c'est obscur. Et seules nos bonnes œuvres vont éclairer notre tombe. Allah subhanahu wa ta'ala nous donne tous la compréhension de ce qu'on vient de dire. Allah subhanahu wa ta'ala fasse que nous puissions retourner. Chacun fait son mea culpa. Chacun fait son autocritique. Chacun sait ses actions, son langage, ses mots, sa parole, sa façon de se conduire. Chacun se demande qui je suis. Parce que si on connaît qui on est, automatiquement, Allah subhanahu wa ta'ala, il viendra dans notre cœur. Mais lorsqu'on ne connaît pas qui on est, automatiquement, la seule divinité qu'on puisse connaître, c'est notre ego. Et dans l'ego, il n'y a que l'aveuglement. Il n'y a pas la clairvoyance. Allah subhanahu wa ta'ala nous donne tous la compréhension de ce qu'on vient de dire. Allah subhanahu wa ta'ala sauve-nous tous. Personne n'est à l'abri. Personne n'a la garantie. Que ce soit le imam, que ce soit le cheikh, que ce soit n'importe qui n'a la garantie que je vais quitter ce monde avec iman. Personne. Tout peut arriver. Maintenant, c'est à nous de faire l'effort. C'est un combat de tous les jours. Lorsqu'on parle de djihad, le vrai djihad, c'est ça. C'est la maîtrise de son ego, se contrôler. Et en islam, la liberté ne s'oppose pas à l'autorité. Parce que la liberté te permet de comprendre qui tu es. L'autorité permet de maîtriser cette connaissance de soi. Sachons-le. Comprenons bien les mots. On a oublié le sens des mots. Compréhension, conscience, prudence. آمين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين فجزاكم الله خيرا سنة الجزاء